Je vais commencer avec vous, Atsushi, sur Oyu. Le rituel du bain agit comme un adjuvant à celui du deuil. Je voulais savoir comment vous aviez pensé et travaillé cette conjonction entre ces deux rituels, celui du bain et celui du deuil. So the ritual of bathing acts as an add-on to the mourning ritual. How did you work between those two rituals? La conjonction entre les deux rituels, celui du bain et celui du deuil, puisque on a l'impression que le rituel du bain aide à faire le, enfin aide à faire celui du, à faire le deuil pour le personnage. Dans le bain public, il y a plein de gens qui se réunissent parfois, et les gens se connaissent et parfois c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Et pour moi, c'était en fait c'était un lieu de. Je voulais filmer le trace de Sané qui a fréquenté avant de sa mort. Donc, moi, je pense que dans le public, il y a. Comment dire. Ça se mélange en fait avec. Cette atmosphère de chaleur et de l'eau chaude, et à la fois c'est animé, à la fois un peu mélancolique. Et c'est un peu mon expérience aussi, comme le rôle principal de mon film. J'entendais souvent les conversations entre de moi et par l'autre salle à côté de femmes aussi. Ils parlent souvent leur vie un peu privée. Et du coup, en fait, celui-là, je pense que comme on est tous nus, et il y a moins de barrières entre nous avec les autres, et ça, du coup, tu vois, c'est plus. Je sens plus de, comment dire, la présence de quelqu'un plus proche. Donc, je trouvais que celui peut raconter quelque chose d'intime plus que comme notre société, comme notre monde. C'est un peu notre petite société plus proche, plus intime. Well, public baths in Japan are places where people come together, whether they know each other or not. And for the main character of my film, it's a place where his mother was a regular before she died. So it's a mix of different atmospheres, warm water, and it's also a place of soulfulness, melancholy. And in my experience, it's a place where you hear conversations around you about people talking about their intimate life, people being naked. I feel like there's less barriers between people and you feel closer to them. So it's it was for me a very good place to tell such an intimate story. Il y a quelque chose de très bon dans la manière dont le son circule entre les personnages, mais aussi entre les différents espaces. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez envisagé cette porosité du son, que ce soit au tournage, éventuellement à l'écriture, mais aussi au mixage son et au montage? So there's a lot of beauty in how sound circulates. Can you tell us about how you worked on sound in writing, filming and also in the mix, in sound design? Oui, c'était assez clair déjà, le scénario c'était comme ça, mais juste c'était, oui, pour moi c'était un peu difficile de quel niveau qu'on entend, en fait il y a plein de trucs qui se passent en même temps, à la fois c'est un peu compliqué, vu que oui, c'est avec le mixage, on a trouvé le moyen de raconter quel équilibre qu'on suit, en fait, fait une ligne avec le sonore, oui, c'était, oui, on a beaucoup travaillé avec le son. Yes, it was written in the script, and there are indeed very different levels of sound that we had to adjust in the mix to tell our different stories and find a balance between all of them. Okay. Maintenant, je vais poser une ou deux questions à Francesco. On sent un regard assez documentaire, en tout cas documenté, sur cette partie de l'Italie rurale. Le personnage s'appelle Francesco, comme vous. Ça se passe à un certain moment donné, enfin au moment du passage à l'an 2000. Est-ce qu'il y a une part de souvenirs personnels dans ce film?
So we feel a documentary-like or documented vision in your film of a rural Italy. And the character's name is Francesco, also like you. And it was during the time when the year 2000 was coming up. So is it drawn from your personal life experience, memories? I don't know if it's drawn from my personal life experience because I don't remember that experience fully. But what I wanted to do was to film my memory. So that was the main idea. So I don't know what's if it's totally real. But I had some images and I had a strong feeling and memory of the atmosphere of that day. And that was sort of the starting point for the film. Like, okay, we need to try to film this memory. Alors, je ne sais pas si exactement c'est tiré de ma propre expérience, parce que je ne me souviens pas des choses de façon très précise, mais je sais ce que je voulais faire, c'était filmer ce souvenir, essayer de retranscrire ce souvenir, ce ressenti extrêmement fort que j'avais eu de ce jour. Et justement, ce souvenir d'enfance, il bascule progressivement vers l'étrange et presque même le fantastique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez envisager la lumière, les cadres, et de manière générale, la mise en scène du film. And so this memory of yours shifts into the eerie and almost fantasy-like film. Can you tell us about how you worked on this in the lighting, the framing? Yes, like being a child obsessed with film that I couldn't watch in a way, because they were forbidden. I was always very hungry of looking like VHS or whatever about old 70s horrors and so on. And I think that shaped my imagination. When I think about childhood, I think about it in a Mario Bava film aesthetic. And so I thought that this is what we need to achieve, like to be subtle in between this realism and this other aesthetic, this more extreme giallo esthétique. Oui, enfant, j'étais obsédée par les films que je ne pouvais pas voir, qui m'étaient interdits. Et c'est comme ça que je me suis effectivement passionnée pour les films d'horreur des années 70 et qui ont totalement forgé mon imagination. Je pensais vraiment très fort à une esthétique à la Mario Bava et avec un mélange subtil de réalisme et d'une esthétique un peu plus extrême comme dans le giallo. Yupan, votre film s'ouvre sur une séquence, une vision saisissante de feu. Mais il y a aussi un élément très important qui est l'eau. Ces deux éléments reviennent sans cesse dans le film. Comment vous avez pensé cet antagonisme entre ces deux éléments? So your film opens on a very striking image vision of fire, but also water. Those two elements are very present. How did you work on the articulation of these two as an antagonism? Yeah, I think fire and water are the very two important image of my film. And also in the very beginning of the writing process, the two image point is come up with me. And also for me, I think the fire is just like the angry and the anxious encased in the world. The water, just like grandpa's love and the beauty of nature, cool him again and again. So I think it's very different image and also very dramatic and contrasting. Yeah. Oui, et ce sont effectivement les deux, l'eau et le feu sont les deux images, les deux éléments les plus importants du film qui me sont venus vraiment dès le début de l'écriture. Le feu représentant la colère et l'angoisse, le conflit intérieur, et l'eau représentant l'amour du grand-père et la beauté de la nature. Et donc j'ai beaucoup joué sur ce contraste et ce sont des éléments dramatiques assez forts. La nature environnante est presque un personnage à part entière dans votre film. Comment il est associé aussi à un certain nombre de rites et de croyances. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ce lieu, comment vous l'avez découvert, et des rites qui semblent y être associés? So nature seems to be like a character in your film, and it's associated with rituals and beliefs. Can you tell us about those place, this place, and the importance of rituals there? Yeah, the nature is like a character in the film.
Yeah, I think the nature is a very big environment. Also, I think some film is focused on the character in the inner world. For my film, I want to connect the inner world with the environment. Just want to the two things is combine or mixing. Sometimes also about just like the English name is talking to the river. Actually, in my film, Kai is not really talk, just say something words to the river. But sometimes I think the river is always change because of the weather. Sometimes river help Kai to talk his mind sometimes. So nature is very environment in my film. Also, I can see the weather and the earth, the land is important. It's also, I think, is the part of nature. Oui, l'environnement est très important. Et pour moi, dans les films, je trouve que souvent, on se concentre sur des personnages et leur intériorité. Et moi, je voulais relier l'intériorité des personnages avec leur environnement. Le titre anglais s'appelle donc « Parler à la rivière ». Kai, il ne parle pas vraiment à la rivière, mais la rivière change sans cesse, comme elle coule, et elle aide un peu Kai, selon moi, à s'exprimer, à sortir des choses de lui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Any questions? Ah, oui. Non. Microphone is coming. Il y a un micro qui va vous être donné. Hi. This is for the directors of the last two films. But your protagonists are children. And so I was curious, in what ways did this challenge your directing skills, and how, if at all, did you have to adjust your approach in order to communicate complex ideas to young minds? Alors, donc, pour les réalisateurs des deux derniers films, vous mettez en scène des enfants. Quel défi ça représente en termes de, voilà, pour votre travail de mise en scène, et comment vous avez dû vous adapter à eux? Before starting, I thought I needed to adapt. I was a bit scared about directing children, but then they're people, so it's just another person in front of you, and you need to establish that connection to their, in order to direct him or her, but that, so I discovered with this film that there is no difference, at least for me, yeah. Alors j'ai cru que j'allais devoir m'adapter, mais en fait je me suis rendu compte en mettant en contact avec eux que voilà, c'était un rapport humain comme n'importe quel autre, et il suffisait d'établir ce lien qu'on a dans toute relation de réalisateur à acteur, et que finalement c'était pas très différent, en tout cas d'après mon expérience. Yeah. For me, I didn't give the scripts share the scripts with the characters, the children characters. I just talk about the story with them. And also, for some things, we do rehearsal, and some things we just set some play games. Just like the things in the tree things, Kai and Jie are working in the tree. Actually, the scene setting is Kai. Kai is thinking about if Jie is a madman or not. But I don't want they just talk, are you mad, like that. So I told the actor of Kai to observe Jie. But Jie don't know we do anything. So Jie just feel very weird while you look at me. Yeah, it's just like a game, yeah. Alors, les enfants, je ne leur ai pas donné de scénario. Et simplement, je leur ai raconté l'histoire. On parlait énormément. On a fait des répétitions pour certaines scènes, de vraies répétitions. Mais la plupart du temps, je fonctionnais vraiment sous forme d'un jeu, où je faisais vraiment un petit peu comme des jeux de rôle, en les faisant réagir les uns aux intentions des autres. Bonjour, je voulais d'abord dire que j'ai adoré vos trois courts-métrages, et j'avais une question pour le réalisateur Do You. J'aimerais savoir, par rapport à la cinématographie, comment vous avez fait pour avoir ce côté un peu éthéré de l'image, surtout quand vous êtes dans, du coup, les bains, puisque du coup il y a une sorte de brouillard, mais qui n'est pas dérangeant et qui donne un effet un peu onirique, et j'aimerais savoir que ça a été quel travail au niveau
de la caméra, des comment ça s'appelle, des lenses et tout ça. So I loved your three films to start with, and for you, how did you work on the cinematography of your film to give the image this foggy nature, which is very poetic, but foggy in a good way? And so, how did you with the camera work to make it work? Ouais, c'est déjà on a essayé de créer un vrai ambiance de bain public avec l'eau chaude. On a aéré le lieu pour que ça se voit devant une caméra pour filmer la vapeur. Et à caméra aussi, on a utilisé peut-être un optique, le filtre pour donner cette ambiance un peu ouatée. Voilà. Yeah, we did try to create this real atmosphere of an actual public bath with this steam effect by putting a filter on the lens to give this this cotton atmosphere a little bit. Hello, question for Francesco. Just a simple question. I was curious about the inspiration of the grandmother. It was inspired from something, a personal story. Alors, quelle est votre influence pour le personnage de la grand-mère, et est-ce que ça, encore une fois, ça vient de quelque chose de personnel chez vous? Yeah, sure. I was one thing that I remember about this birthday is that when my father came to bring me to the car, I saw the grandmother, which I thought she couldn't move for the whole afternoon. I saw her running away in the woods, and I asked my father like 10 years after, or like 15 years after, but do you remember this? And he said, no. But I'm sure I saw it, so it's like there, yeah. Oui, absolument. En fait, dans mon souvenir, quand mon père est revenu me chercher, et c'est cette vieille dame dont je pensais, j'étais persuadée qu'elle ne pouvait pas bouger, et je suis sûre de l'avoir vue vraiment s'enfuir en courant. Et 10 ou 15 ans après, j'en ai parlé à mon père, je lui ai demandé de ce dont il se souvenait, il m'a dit non, pas du tout, mais moi je suis sûre de ce que j'ai vu. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour Yupan. Est-ce que vous pouvez nous parler du personnage de la femme folle, entre guillemets, voilà, et de la façon dont sa folie se transmet ensuite à son fils une fois qu'elle est décédée? À quoi ça faisait référence pour vous? So can you tell us about the mad woman, if we can say, and how when she dies, her madness is transferred onto her son? Yeah, I think the point is the most dramatic of my film. Yeah, I just actually the couple of mother and the son is have real people in my childhood of my village, and in my childhood when I was young, I'm very scared of about them. Yeah, and also. And also, actually, why I want to write this script, also one point is that when summer holiday, yeah, I come back to my hometown and walking on the street with my grandmother, she told me that the mad woman is dying. Yeah, it's very suddenly things to me, yeah. Just like I didn't know about them, yeah, and I don't know how to describe it, and so I think it's the starting point also for my script, and in the script I just imagine how can the boy, just not madman, just the boy can live without anyone, yeah, when his mother is died. Obviously, he will live by themselves. Before that, they are picking the rubbish and making life by themselves. So just, I think the dramatic is in the writing process. I just imagine what will he change. So it's the point.
Oui, c'est vraiment le point culminant dramatique du film. Et cette mère et son fils font référence à des gens que je connaissais dans mon enfance, qui étaient dans mon entourage, dans mon village de mon enfance, et j'avais très peur d'eux. Et j'ai écrit ce film parce que quand je suis revenue il y a quelques vacances dans ma ville natale, je marchais avec ma grand-mère et elle m'a dit que cette femme était morte. Et comme moi je ne savais rien d'eux, j'ai brodé à partir de leur personnage. Et le point de départ du film, c'était de me dire voilà comment ce garçon va pouvoir vivre après la mort de sa mère et se retrouver livré à lui-même tout seul. Hi, yes. My question is for the director Boyu. I loved it very much. In the telling of the story, the way the details unfold little by little, what were the influences you were working from when you were writing this? Alors, la narration de votre film déploie petit à petit des petits détails qui nous font comprendre un peu ce qu'il y a derrière cette histoire. Est-ce que vous avez des références en tête à l'écriture? Des influences En fait, c'était en 2021, j'étais au Japon pour présenter mon film précédent. Dans ma ville natale, en fait, j'ai rencontré par hasard mon ancien ami dans un bain public, et lui, en fait, il m'a raconté que sa mère est décédée récemment, et en rangeant sa maison de sa mère, en fait, il a trouvé le ticket de bain public dans la petite poche de sa mère, et en fait, avec ce ticket, en fait, il est venu pour sentir ce lieu, en fait, après que sa mère est décédée. Et il m'a confié cette histoire, en fait, dans le bain. On était tous les deux dans le bain. Et ce soir-là, il neigeait, il rentrait tout seul, et j'ai vu son dos un peu triste. Et voilà, donc ça m'a influencé. J'ai décidé de m'inspirer et écrire ce film. Well, it was back in 2021. I went back to Japan to present my previous film, and I met an old friend there. And we went to a public bath together, and that's when he told me about his mother who had just died. And he went to sort things out in her house and found a ticket to the public bath she used to go to. And he went there to get a feel of that place, of how she must have felt while she was there. And so he confided in me about this story, and that's what inspired this film. Bon, il faut qu'on libère la salle, donc merci à vous et merci à vous trois.